qui vient de finir le camp confiance en soi. J'ai pris un énorme shot d'amour avec tout plein de belles personnes. J'ai osé prendre ma place, j'ai osé accepter, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai accepté de recevoir, j'ai accepté de donner aussi. Ça, c'est difficile de laisser fluidifier les échanges. On donne, on reçoit et tout ça, et des fois on bloque. Donc voilà, moi j'ai vraiment lâché là-dessus. Et voilà, moi j'ai envie de jouer. J'ai retrouvé l'envie parce que là, il y a quelques jours, ça faisait un petit moment, j'osais plus, j'étais triste et tout ça. Et là, j'ai retrouvé l'envie de jouer. J'ai envie de créer plein de choses, j'ai plein d'idées qui ont popé de partout. L'attraction image, je veux faire des box, je veux cuisiner, je vais apprendre à cuisiner comme une magicienne, comme Mamaya. Je veux aimer, je veux lâcher. On a joué dans la piscine, moi ça fait un moment que je jouais plus comme une enfant. Et on joue. Et toujours on crée des nouveaux jeux, on crée des nouvelles manières de jouer. J'avais déjà goûté à corps à corps. Mais ce truc où tu peux être authentique, tu peux être toi, tu es toi et tu peux être, tu peux avoir envie d'être tout seul, tu peux avoir envie de faire des câlins, tu peux avoir envie de... Enfin, c'est juste, t'es vrai, t'es authentique. Et ça, c'est... souvent on se retient... de le faire, on se retient d'être. Et du coup, on ne libère pas notre potentiel. Et on ne donne pas tout ce qu'on voudrait donner dans le monde. J'avais déjà eu un peu cette expérience d'être ici et maintenant. J'essaye de m'en rappeler tout le temps. En fait, je pense que c'est plein de choses que j'ai commencé à intégrer il y a 2 ans, la première fois que je suis venue. Genre ici et maintenant, un jour à la fois. Tout est parfait. Tout ce qu'on investit dans l'un revient dans un autre, qui revient dans encore un autre. Et ça, je pense que quand on intègre ça, c'est... on embellit le monde, quoi. Parce que à partir du moment où tu comprends que l'autre est toi, que tu es l'autre, tout ça, enfin, t'as juste envie de faire du bien à tout le monde. Et je pense que aussi ce que j'ai trouvé dans Corps à Corps, c'est moi. Ce que je peux être, qui je veux devenir, qui je suis en train de devenir. Parce que là, en 2 ans, j'ai fait énormément de choses. Genre là, il y a un mois, j'ai acheté un camion qui s'appelle Alfred, je l'ai aménagé, alors que je ne sais pas bricoler. Du coup, c'est voilà, toujours chercher ce truc-là, tac, tu lèves le bras un peu plus haut, tu lèves le bras un peu plus haut. Et plein de choses où juste, qui tu veux devenir. Et ça, je pense que je le trouve dans Corps à Corps, parce que je me permets... J'investis en moi, je me permets de devenir quelqu'un d'autre, même si je ne correspond pas du tout à ce qu'on attend de moi. Et c'est moi. Et c'est ça que je trouve ici, et c'est de ça que je me nourris. C'est pour ça que j'ai envie de jouer ici, que j'ai envie de collaborer, de créer, co-créer, donner sans compter, sans attendre.